Salut, c'est Nathan pour Guitar Jump, nouvelle vidéo tuto pour le chant Rédempteur du Monde de Matt Marvan. Alors au départ c'est un chant de Keith Green qui date de 1977. C'est un chant qui figure dans le recueil J'aime l'Éternel volume 1, donc c'est un vieux chant. Matt Marvan a réarrangé ce chant et d'ailleurs il l'interprète en famille. La vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube et donc dans sa version les paroles sont retravaillées et les accords aussi. Et donc je vous propose cette version de Matt Marvan. Dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez télécharger les paroles et les accords. Je vous joue le morceau en entier tout de suite. Et à ce timing, je vous explique les accords, la rythmique, etc. Donc bon tuto et c'est parti pour Rédempteur du Monde. Pour le chant Rédempteur du Monde, c'est un chant qui est en tonalité de Ré. Comme je vous l'ai indiqué, Matt Marvan l'a carrément retravaillé. Donc dans sa version, il y a moins d'accords que l'original. Et parfois, vous avez des accords qui diffèrent d'un couplet à l'autre. Pour vous donner la structure, vous avez le couplet 1 et 2 avec les mêmes accords. Vous avez un premier refrain. Il y a un troisième couplet où là c'est Sarah Marvan qui chante. Les accords sont différents du couplet 1 et 2. Et le deuxième refrain, vous avez aussi quelques différences. Donc pour les couplets 1 et 2, je vais vous montrer. Alors sachant que pour ce chant, j'ai utilisé des accords assez basiques. Je ne vous ai pas utilisé les accords arrangés comme j'ai parfois l'habitude de vous montrer. Donc on commence avec un accord de Ré. Après, on a un accord de sol, donc je vous propose de faire comme ça. L'annulaire ici va nous servir de doigt pivot, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger pendant quasiment tout le chant en fait. Vous allez voir que tout le long du chant, ce doigt-là ne va quasiment jamais bouger. Donc, un accord de Ré. Rédempteur du monde. On rajoute le petit doigt ici et on place le majeur en haut.
pendant l'interprétation, j'ai parfois fait cet accord de sol comme ça, avec la cinquième corde qu'on étouffe. Mais vous pouvez très bien rajouter l'index ici, ça passe. Jésus, après on a un mi mineur, donc on va le faire comme ça. Donc toujours le doigt pivot ici, même le petit doigt ne bouge pas. Du sol, on va sur le mi mineur, comme ça. Jésus, fils de Dieu, ré. Après on a ta joie, on a un si mineur. Je vous épargne le barré, alors vous pouvez le faire. Hein. Ta joie et ta paix, mi non de. Vous pouvez faire le si mineur en barré. Mais moi je vous suggère ce si mineur là, comme ça on a toujours notre doigt pivot ici. De la corde ré, bim, vous mettez l'index sur la cinquième corde, deuxième case. Le majeur sur la troisième corde, deuxième case. Vous jouez bien à partir de la cinquième corde, pardon. Surtout pas la sixième. Là vous avez votre si mineur. Ta joie et ta paix. Et après pour le mi mineur, on peut juste lever le majeur d'une corde, hop. Et on est sur notre mi mineur 7. Dans le chant, parfois je le fais comme ça, parfois j'ai rajouté le petit doigt tout en bas. C'est comme vous voulez. Et après on retourne sur notre sol. Toi l'agneau venu des cieux. Je vous remontre tout ça avec le deuxième couplet. Rédempteur. Pour le couplet 1 et 2. Sur le refrain, vous avez si mineur et mi mineur. Merci notre Père, tu as donné ton fils. Si mineur. On reste sur le si mineur. Tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Ensuite, on a le... Donc voilà pour le refrain. Et le refrain de la fin, c'est pareil, sauf que c'est « Merci notre Père, tu as donné ton Fils. » Au lieu d'avoir un si mineur, on a un ré. Et après « Tu fais briller ta lumière. » Il y a juste à ce niveau-là, au lieu du si mineur, on a un ré. Pour le troisième couplet, alors je vais vous le faire. Donc au lieu d'avoir ré et sol, on va avoir ré et mi mineur. Un jour dans la gloire. Donc du ré, on rajoute le petit doigt ici et les deux doigts viennent ici. Après on va sur le sol. Enfin je verrai. Après on a si mineur. Hop. Du ré, on va sur le si mineur. De Dieu mon c'est mi mineur. Mineur la face sol. Sans fin je le servirai. Donc voilà, des accords assez pas trop compliqués, j'espère que ça va pour vous. Au niveau de la rythmique, j'ai utilisé une rythmique assez pop. Je vous la détaille, ça fait comme ça. Donc ça fait ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, 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 o, ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, 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 o, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous le montre avec un accord de ré. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, 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 o, 1, 2, 3, 4. Et ce qui est bien dans ce chant, c'est que vous avez vraiment cette... 1, 2, 3... Vous avez vraiment 4 temps sur chaque accord. Ré, 2, 3, 4. Mon, 3, 4. Jésus. C'est vraiment 4 temps sur chaque accord, donc c'est pas compliqué, ça facilite pas mal. Voilà pour le chant rédempteur du monde, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire.
ça fait toujours plaisir, et à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.